Yo, pour démarrer cette vidéo pour défoncer, quoi de mieux que de parler de technologie? Après tout, on n'a pas droit à ces news insolites comme par exemple un meurtre. Et donc, nous nous rendons en Floride où un mec a égorgé son coloc. Et pour cacher le cadavre qui ressemble près à ça, ne me remerciez pas, l'a demandé à Siri. Comme tout le monde. Comme tous ceux qui ont un cerveau. Attends, avant on cachait le cadavre dans le plus grand secret, et maintenant on se fait plus chier. On confie ses secrets à tout le monde. Bienvenue en 2012. Parce que oui, il faut deux putains d'années pour trouver celui qui a dit ça, entre la meuf qui veut faire chier Siri, et le mec qui n'en a rien à foutre de sa journée, donc il va prendre de la bière pour mettre sur son fucking iPhone, comme ça il va le défoncer au max. Oui, ça existe. Après Apple Maps. Hein, est-ce que je suis vraiment arrivé à Paris là? Ouais. Putain, mais Apple font vraiment des trucs bidons. Putain, c'est qui me suit maintenant? Les scientifiques ont fait la découverte d'un ovni qui va bouleverser le monde à jamais. D'après une recherche avec les scientifiques des moins fiables du monde, ceci est un ovni encore inconnu du grand public, le iPhone. Le iPhone a un design assez chelou mais qui bizarrement est adoré par tous les cons et naïfs qui croient que Apple sont des couilles en or et parfumées. Mais en réalité, c'est un gros tueur en série recherché par le Merde, comment on dit, le FBI n'est pas censé rechercher ça? Enfin bref, rendons Siri bourré. Voilà. Maintenant, va prendre un lapin pour qu'il fasse du saut en longueur sur la route avec des lapinants. Manque de sexe et avec des problèmes d'hormones. Le lait, c'est du sperme liquide vivant qui vont acheter du vin comme ça, ça te rend bourré. Les résultats sont effarants. Cet ovni est devenu le plus grand stupide du monde. Nouvelle arme de meurtre à la mode, on ne saura que dans 100 ans. On peut déjà voir des mecs infectés de la maladie de l'iPhone fou. Hey mec, y a un truc qui bouge hein, avec un truc rouge qui sort là. C'est quoi? Ah, je meurs. Attends, j'ai une idée pour qu'on cambriole ce foutu magasin de merde en rentrant par la porte d'entrée de merde. Et en plus, c'est Siri qui me l'a dit. Alors, Siri, il a dit qu'on va acheter un billet chez Air France pour que la porte rentre chez son papa et sa maman en Espagne et qu'après, on pourra rentrer et qu'après... L'iPhone est fait de 99% de coke et d'alcool. Alors, si vous le retrouvez, appelez au 066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 
Ah non, en fait, elle n'a pas de doigts. Ça s'appelle improviser, ça. Quand on fait pas attention à ce qu'on recherche sur Internet, eh ben, ça finit toujours sur la mauvaise image. Quoi? Donc, comment pouvez-vous considérer que c'est une petite fille? Ah oui, elle prend des événements de physique. Ça. Donc, si c'est entre les deux, ça veut dire que c'est un putain de perso de dessin animé. Oh, et fucking shit. Pouvez-vous arrêter de vous mettre le mal, s'il vous plaît? Je vous en supplie. Oh putain, je suis en train de mon compte de vidéaste. Maintenant, excusez-moi de la gêne occasionnée que ça peut causer, mais allons faire des...